Les assaillants ont d'abord attaqué la position des militaires congolais surplombant la colline en face de la prison avant d'approcher la porte principale de la maison carcérale, confirme le maire de la ville de Beni. Ils ont brisé la porte avec du matériel électrique pour faciliter l'évasion des prisonniers détenus. Selon les quelques prisonniers rescapés, les assaillants ont obligé tout le monde de sortir et ceux qui résistaient étaient tabassés. Selon le maire Mouindo Bakwanama à Modeste, sur 1456 détenus, seuls 110 sont restés et une vingtaine d'autres sont retournés. Parmi les évadés figurent les personnes liées aux différents groupes armés, notamment les ADF et les Mai Mai, déplorent l'autorité urbaine. Nous sommes désolés de l'attaque qui a eu lieu simultanément ici à la prison de Kangwaï à la porte, simultanément puisque la position surplombant la colline qui est à côté de la prison a été aussi attaqué au même moment alors que nous comptions sur cette position-là. Et nous déplorons le fait que beaucoup de personnes détenues, poursuivies pour des faits graves, viennent d'être amenées avec l'assaillant qui est l'ADEF, avec lui, jusqu'à une destination de la brousse. La prison comptait avant l'évasion 1456, et 110 sont restés, une vingtaine est déjà retournée. Ceux qui sont retournés disent avoir échappé des justesses des mains des ravisseurs. Cette évasion est lourde de conséquences pour les populations locales, estime le groupe de pression Lucha. Dans un communiqué, ces derniers pensent que ces évadés vont renforcer les bandes criminelles de la région de Beni et elles éloignent de plus en plus tout espoir de justice et de vérité autour des tueries de la région au vu de la nature des personnes qui étaient détenues et des attaques répétitives contre cette maison carcérale dans le passé. La prison de Beni Kangbaï était une cible privilégiée des assaillants et aurait bénéficié d'une haute sécurité pour faire face aux attaques de forte ampleur, conclut le communiqué. En 2017, une autre attaque était déplorée où plusieurs centaines de prisonniers s'étaient encore échappés.